Salutations à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va checker du nouveau son. Le son s'appelle Allo les Kéo, ça s'appelle. Le titre c'est ça. Et les artistes c'est Zagabombo featuring Ghetto V. Description, d'avoir une petite description quand même. Arrangeur musical iDot et Future Line Production. Ok, Fawaz Maghazi à la Real. Et vas-y, let's go, c'est parti. Sorti il y a combien de temps déjà? C'est sorti il y a 4 jours, je crois, un truc comme ça. 4-5 jours. Top group business. Tiger power. On est là, c'est le gomme. Va me mater, c'est le gomme. Qu'est-ce que c'est le gomme? Midland, non, c'est le gomme. On est là, c'est le gomme. Va me mater, c'est le gomme. Tu connais cette saveur là? Tu connais les hi-hats, comment ils passent? Très dur, très très dur. Ah, il a ramené le maillot du PSG. Il a du flow, hein. Il a un style. Grosse prod, hein. Grosse prod. Bien, bien drilleuse, on va dire. Le Parisien. Ça, quand il kick, il donne toute la force dans sa voix. Le son est chaud quand même. Le son il est court. 3 minutes c'est pas assez, gars. Rajoute 2 minutes de plus, mais. Ah, tu connais les jeux de jambes comme ça. Ah, c'est trop, c'est trop. Ouh, la jolie fin. Magnifique, magnifique fin. Franchement, le clip est propre, clean. Le son est assez brutal, j'ai envie de dire. Et les artistes sont bons. Zagabombo, je connaissais pas. Et je vois qu'il a ramené une saveur. Il a mis une saveur, tu vois, un peu très street, avec une voix un peu différente de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Je sais pas, c'est pas dans le moule de ce qu'on entend, en fait, j'ai envie de dire. Et Ghetto V, comme d'hab, on connaît, et je kiffe comment il rentre sur le couplet. Il donne toute la puissance des couplets, en fait, tu ressens. Et ce gars-là est toujours dans l'activité, c'est bien, tu vois, il est toujours actif. Il s'arrête jamais, toujours en train de clipper à droite, featuring à gauche, faire des sons, des audios, des queutrues. Il est bien, il est en place, il bouge pas, et c'est comme ça que tu gardes ta fan base et que tu continues à prospérer dans le game musical. Et c'est bien, bravo à lui, c'est bien. Du vrai freestyle, les élèves rappeurs, venez apprendre des leçons ici. Zaga toujours dans la polyvalence, j'espère qu'il y aura un award pour ces deux légendes, ils ont fait beaucoup cette année. Force à vous, c'est le 228 TG qui confirme que ce tour va faire le million de vues. Donnons de la force à nos artistes TG. Je sais que Ghetto V allait frapper sur son couplet. Du vrai hip-hop, le flow des deux artistes, c'est juste magnifique. TG sans blague, c'est du lourd. Les punch, les clics, les pics, le flow, le beat, les rimes, tout est au rendez-vous. En avant, Azik Togolais, ça va payer. Capoué, les gars, poussons à 1 million de vues.
C'est chaud, c'est chaud. Bah, les gens, ils apprécient, hein, franchement, et ça a bien cartonné quand même, hein. Ça a bien cartonné, hein, les gens, ils ont bien validé, et c'est bien, Zaga Bambo. Intéressant, sinon j'avais déjà vu ce nom auparavant, je crois, et bah, tu vois là, il m'a validé son titre totalement. Je me suis dit, qu'est-ce que Ghetto V a fait? Et j'ai découvert ce gars, donc je me suis dit, on va absolument voir ça et découvrir un nouvel artiste qui a fait une grosse année de ce que je vois dans les commentaires et que j'ai pas fait attention donc à revoir tout ça. Et voilà, intéressant, on va voir un peu ce que vaut ce gars par la suite. On va voir un peu ce qu'il y a, et un son là, Chiquita, là, peut-être on va checker ça. Donc voilà, on a fait le tour, donc voilà, du bon son du Togo, comme on a l'habitude d'entendre, et voilà, c'est sale quand même, c'est toujours aussi sale. Bon, allez, on se quitte dessus, je vous dis à la prochaine, et ciao, ciao.